Bonjour à tous, bienvenue. Je m'appelle Vincent. Pour ceux qui me connaissent, je travaille sur le site de Vendargues à Montpellier. Là, pour changer, on est directement à l'usine de chez Pilote, à la Limousinière. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui la nouvelle marque de chez Pilote, qui sera un peu plus entrée de gamme, avec des prix un peu plus attractifs comparé à des pilotes, qui s'appelle Joacamp, que vous voyez ici. Donc, sur ces marques-là, il va y avoir 5 implantations. Un lit à la française en 6 mètres, toujours en profilé sur base Citroën. On aura 2 7 mètres avec lit central, lit jumeau, et 2 7 mètres 40, pareil, lit central, lit jumeau, et 5 places carte grise de série pour les 7 mètres 40. Voilà, et vous allez voir, ils ont une nouvelle implantation qui est assez sympa à l'intérieur comparée à d'autres marques. Voilà, je vais vous montrer. Donc on va regarder le premier. Tu me suis, Camille ? Hop. Donc ce qu'ils ont voulu faire dans cette marque et dans ces implantations, c'est de faire un grand salon. Parce qu'aujourd'hui, ce qui plaît beaucoup, c'est d'avoir un grand salon. Mais c'est vrai que souvent, avoir un grand salon avec un lit fixe derrière, c'est pas simple. Donc ils ont eu la super idée de faire un système de salle de bain vario qu'on appelle, donc avec la douche et le toilette qu'on va voir après, avec la paroi pivotante pour pas en mettre partout sur le WC. Et ça, cet avantage là ça permet, voilà, d'avoir un salon qui est super grand. Et là, on rappelle que dans celui-ci, on est sur un véhicule qui fait 7 mètres. Voilà, donc on peut manger à 5 sans problème. On a le coin cuisine là avec les deux feux pour le gaz. On a un grand frigo. Nickel. Le lit central, voilà, avec ses penderies de chaque côté, son placard. Et surtout, voilà, la salle de bain vario qui permet d'avoir un très grand salon. Donc le toilette là-bas. On a la paroi ici qui coulisse. Le porte-serviette. Et dès qu'on veut prendre sa douche, hop, on bascule la paroi. Et on la verrouille comme ça, ici. Voilà, ça fait vraiment une douche assez grande. On n'en met pas partout sur le toilette. Donc c'est ça qui est vraiment top dans cette implantation-là. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, vraiment la plus-value de cette marque, c'est le prix qui va être très attractif, mais surtout un grand salon avec un lit fixe à l'arrière, ce que les gens veulent beaucoup. Voilà, donc on va regarder la soute. On a quand même une soute assez correcte. Et là-bas, c'est l'emplacement pour les deux bouteilles de gaz. Ensuite, on va passer sur celui d'à côté. Voilà, bah, le gaz, hop, de l'autre côté donne ça. Et maintenant, on va regarder l'autre implantation. Parce que le 70Q, c'est pour le lit central. Et le T, c'est pour le lit jumeau. On va regarder le lit jumeau maintenant. Après, bien évidemment, on a l'option aussi pour avoir le lit pavillon. Hop. Donc toujours aménagé de la même façon, hormis l'arrière qui change au niveau des couchages. Voilà, pour ceux qui veulent des lits séparés. Et la même douche. Voilà, c'est ça, toujours le même principe. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les autres modèles qui sont qui s'appellent les 75, là ce sont les 70 qui font 7 mètres. On va aller voir les 75 qui font 7 mètres 40. Et là, vous allez voir le salon, ça sera encore plus grand. Déjà que sur les 7 mètres, il est très grand. Mais vous allez voir sur les 7 mètres 40, c'est fabuleux. Regardez ce grand salon avec la grande table. À savoir, voilà, comme j'ai dit au début, que les modèles de 7 mètres 40, donc les 75Q, et 75T sont en 5 places carte grise de série. Voilà. Et on est sur un lit central ou lit pavillon, toujours pareil. Ok. Voilà. Et il manque le 6 mètres qu'on pourra pas vous montrer malheureusement aujourd'hui. Et lui, le 6 mètres, du coup, ça sera un lit à la française. Et ça sera le numéro 60. Voilà, donc on a fini et bon, ce sont des gammes qu'on va recevoir un peu plus tard que les premiers véhicules qu'on recevra déjà en fin d'année, aux alentours de septembre-octobre. Donc n'hésitez pas à venir en concession pour venir les visiter. Très bonne journée, au revoir.